Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Véronique, j'ai 23 ans. Ça commence bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'album, donc mini-album. Donc, il mesure... Attendez, j'ai pas pris ma règle. Donc, il mesure 21,5 sur 19,5. Enfin, un tout petit peu plus de 19,5. Et la tranche fait 6 cm. Donc, j'ai utilisé la collection Kaisercraft True Love. Donc, il y a 6 papiers dedans et une planche de stickers... un petit peu chipboard, enfin un petit peu cartonné, pas très épais mais cartonné. Et donc j'avais cette collection depuis un bon moment, mais j'avais déjà utilisé 2 feuilles. Donc il me restait 4 feuilles et une petite chute d'un des papiers que j'avais utilisé. Donc j'ai fait mon maximum pour faire un album, j'ai quand même réussi à faire 5 pages. Et bah écoutez, je vous montre ça tout de suite. J'ai ancré les bords, cette fois-ci, j'ai pas oublié de prendre le pad, avec la Distress Oxide Pilot Paint. Et en chute de papier, il me restait vraiment pas grand-chose. Il me reste un morceau comme ça. Et après, c'est que vraiment des tout petits morceaux de 5 mm qui faisaient 20 cm de long. Enfin, je pouvais rien en faire. Donc, parce que j'en avais pas beaucoup, je pouvais même pas faire une carte avec. Donc bah, j'ai écouté, je ne les ai pas gardés. Donc sur la couverture, donc, j'ai mis ce très beau papier avec les fleurs. Je l'aime beaucoup celui-là. Et j'ai mis un petit clipboard. Pourquoi je dis clipboard? Parce que je vous ai tourné, je vous ai tourné la vidéo de l'album clipboard juste avant. Et du coup, voilà, j'ai le mot clipboard dans la tête, donc ça y est. Donc ce chipboard en bois, donc marqué Love, qui reste dans le thème, hein, puisque la collection s'appelle True Love. Là, un cœur, donc pareil, en bois, tout simple. Les décorations, c'est très très simple. Hein. Et donc derrière, j'ai économisé le papier, donc j'ai mis un papier vert que j'avais utilisé dans l'album que j'avais fait à ma maman avec la collection Oriental Garden. Donc il me restait 2 ou 3 feuilles vertes, 2 feuilles, donc je les ai utilisées. Mais j'ai coupé avec un autre vert un peu plus flash, donc qui va avec cette teinte d'encre. Parce que, vous voyez, il y a plein de tons de vert, comme le vert flashy un petit peu là, du foncé, un petit peu plus pastel, donc qui va avec ce papier. Donc j'ai mélangé les deux. Donc j'ai mis des angles que j'avais eus. Je ne me rappelle pas. Je sais que c'était des Artemio, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas des Artemio. J'ai pas gardé de packaging, donc j'ai pas pensé. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas où je les ai. Ça fait très longtemps que je les avais et je les avais pas utilisés. Et je me suis dit que c'était l'occasion parce que je trouve que ça allait très bien avec. Donc la fermeture classique avec un ruban. Donc quand on ouvre... Donc, on a une première pochette avec un livret donc en craft. Avec, donc là, c'est les chipboards autocollants. Et là, en fait, c'est le bas du papier. En fait, sur les papiers Kaisercraft, vous avez un côté où vous avez un liseré décoratif. Et de l'autre côté, la marque, les références, tout ça. Et là, c'est un tampon que j'avais eu chez AliExpress. Donc j'ai simplement tamponné sur la pochette et j'ai mis des petites décos de la planche de chipboard. Donc là, très simple, hein, vraiment, j'ai pas mis d'emplacement photo parce que je sais pas pourquoi, peut-être que j'aurais dû en mettre, mais bon, écoutez, là on met les photos simplement, là on peut mettre une photo. Ici, j'avais ces 2 chutes de papier, donc des pages. Et je me suis dit, pourquoi pas s'en servir pour faire des rabats. Donc là, on pourra mettre une ou deux photos, des petites carrés,
pareil sur le bas. Et là, j'ai laissé l'image telle quelle, enfin l'image, la page telle quelle, parce que les fleurs sont tellement belles, j'adore. Je trouve ça trop beau, ça change de ce que je fais d'habitude. Et ça a été un petit peu compliqué de le faire, parce que j'ai fait vraiment... Ben, c'est compliqué, parce qu'avec seulement 4 feuilles, ouais, enfin 4 feuilles et demie, on va dire, c'est compliqué de suivre un tuto, parce qu'il faut... Il faut pas mal de papier, hein, surtout avec 5 pages. Donc là, j'ai essayé vraiment de construire. J'ai construit au fur et à mesure. Donc, par contre, il y aura beaucoup ce motif. Je ne suis pas spécialement fan, ni du motif, ni de la couleur. Mais j'en avais 2 feuilles. Et le dos était vraiment noir, très criard. Donc, enfin, pas criard, mais très foncé. Donc, il y avait déjà ce papier-là avec les fleurs foncées. Je n'ai pas voulu en remettre une couche. Ça donne un peu plus de peps avec ces couleurs-là. Donc, voilà pour cette page. Donc, ici, là, j'ai utilisé le motif, par contre, dans ce sens. J'ai mis le motif à peu près dans tous les sens pour pouvoir me servir des feuilles. Mais bon, c'est pas choquant. Hein. Et vous voyez, là, la bande, enfin, j'ai pas fait exprès, hein, mais le morceau allait parfaitement. Et donc, avec l'inscription, ça tombait pile poil, j'ai eu du bol. Donc, avec la petite déco. Donc, on ouvre comme ceci en premier. Donc là, on pourra mettre deux photos portraits ou deux petites photos carrées. Et après, il s'ouvre comme ceci. Donc là, c'est très simple. Hein. Il y a juste à coller les photos. Ici, j'ai fait une pochette. Donc, avec le tamponnage comme ça. Donc, avec le I love you. Il est un petit peu... perpendiculaire, mais bon, ça change, ça rappelle un petit peu l'inscription d'ici. Donc une carte, donc avec le papier que je vous disais un peu plus flashy, qui se marie avec les feuilles un peu plus flash du papier. Donc et celui-là, oui, parce que je crois que je vous ai même pas dit quel papier j'avais utilisé, c'est du Vivaldi en 210 grammes. Et donc là, un livret simple. Le papier blanc, c'est du DCP 210 grammes que j'ai utilisé. Et puis voilà. Ici, donc une pochette encore. Donc il y a beaucoup de pochettes et de rabats, justement pour utiliser les 4 feuilles et demie. C'était compliqué. Je ne pouvais pas faire des trucs trop élaborés. Donc il y a beaucoup de pochettes et de rabats. Donc ici. Un petit livret simple, vraiment très simple. J'ai laissé, j'ai juste mis un petit chipboard autocollant, comme ça laisse la place pour mettre une photo. Et comme vous vous en doutez, j'avais pas de papier pour les recouvrir, et je trouve ça change un petit peu, juste un petit une petite annotation. Donc là, le livret pareil, le bas du papier, ça tombait pile poil avec le texte. Donc, j'ai laissé. Alors, hop. Donc là, pareil, les chipboards autocollants. J'ai fait un petit peu comme une ceinture. Enfin, je trouvais ça sympathique puisque j'ai mis un papier uni. Donc, pareil, le papier uni, il avait deux couleurs. Il avait la couleur claire au dos et la couleur un peu plus soutenue sur le devant. Donc j'ai mixé les deux côtés. Donc ici on a un rabat, donc avec une pochette, toujours pareil, les livrets, là le papier, donc avec le liseré. Donc j'ai coupé au format parce qu'il était long, et j'ai reporté, j'ai découpé le bas pour le reporter ici. Ça changeait un petit peu des autres livrets, et puis ça donne une petite dynamique dans les livrets, quoi, puis dans l'album. Donc là, une pochette avec donc un reste de papier. Et du coup, j'ai mis un petit texte. Ça change un petit peu. Donc là, dans le rabat, la page claire un petit peu flash. Donc avec le tamponnage sur le bas de la page. Je l'adore, ce tampon, il est vraiment trop beau. Et donc là, pareil, j'ai laissé tel quel, parce que c'est... chargé en écriture. Donc avec juste une photo ou deux photos, ça laissera juste un petit peu apparaître les écritures, et je trouve ça sympa. Ici, très simple,
puisque j'ai voulu laisser, on mettra une photo ici, laisser encore ce magnifique motif, j'adore, il est vraiment très beau. Ici, eh bien, c'est les chutes des pages, donc que j'ai gardées, et j'ai simplement fait les rabats aux formes des papiers, au format des papiers. Donc ça fait des rabats de différentes tailles, et j'aime bien quand c'est un petit peu déstructuré comme ça. Donc là, on a un premier rabat, donc avec, pardon, un premier rabat donc avec ce papier et un petit texte de la planche de clipboard. Là, pareil, le papier flash avec le tampon. Et là, on a deux rabats. Je n'ai pas mis d'aimants puisqu'ils sont tenus par celui-là qui est aimanté. Et donc là, des restes de papier pour faire des cartes, pour mettre des photos ou du journaling, comme on veut. Hop. Voilà, donc là, pareil, tenu par deux aimants. Ensuite, là, eh ben, page miroir. Pourquoi? Presque page miroir. Eh bien, parce que il me restait exactement les mêmes papiers, pratiquement au même format. Là, pareil, même papier. Et donc là, on a deux livrets. Donc, un vert avec un petit texte. Et là, un craft avec donc les feuilles. On a exactement la même chose de l'autre côté, mais pas tout à fait. Parce que là, c'est un tag. Donc, ça donne une petite différence tout en restant dans les mêmes tons et en faisant une page miroir. Et là, j'ai rien mis en déco parce que là, on peut largement mettre des photos. Donc, ici, on arrive à la dernière page. Donc, reste de papier. Donc, j'ai mis comme si la page était coupée en deux. Et j'ai fait ce petit accordéon. Donc, avec le papier blanc. Et donc, on ouvre comme ça. Hop. Et donc, avec le tamponnage. Enfin, franchement, le noir et blanc comme ça, je trouve que ça casse un peu. Puis, ça rappelle ce papier qui est noir et blanc. Et ça casse un peu toutes ces couleurs, un petit peu comme l'orange qui est quand même présent. Et ça casse un peu, je trouve, ce noir et blanc. Et donc, le rabat de couverture, le dos de couverture. Donc, on a une pochette hein, simple avec une carte et un livret. Donc, pareil, là, c'était un papier. Et donc, j'ai mis là pour combler le vide. Et puis, je trouve que ça fait sympa, ces petits rappels. Ça fait pas juste le bout de papier collé par-dessus. Et je trouve ça sympa. Voilà. Et donc là, c'est un chipboard en bois que j'avais trouvé chez Noz, pareil. Et du coup, je voulais le coller dans l'autre sens, donc côté bois. Et en fait, comme il est pratiquement dans les mêmes tons orange que les fleurs, que le papier et tout, puis il a des petits points blancs. Donc, je l'ai mis dans ce sens. Et puis, ça n'empêche pas de faire un petit journaling sur la pochette ou mettre un petit mot ici. D'ailleurs, tiens, j'aurais pu en mettre un. Et franchement, je suis assez contente malgré tout de ce petit album parce que bon, c'est pas du tout mon style maintenant parce que j'avais acheté ces papiers pour faire plutôt du 3D avec ma silhouette. Et en fait, j'ai fait, celles qui ont vu l'atelier tour Mix Media, vous avez vu le buste et le rouge à lèvres en papier 3D, c'est cette collection que j'avais utilisée. Donc et après, elle était dans mes tiroirs et elle attendait sagement d'être utilisée. Et puis voilà, j'ai décidé de faire un album avec. Et donc, en blanc cette fois-ci, pas en noir, ça change un petit peu. Franchement, en taille, il est bien. Il est quand même pas mal fourni. Après, j'ai mis un ruban parce que justement, il y a 5 pages une fois qu'il y aura les photos et tout. Qu'on puisse gérer l'épaisseur de la fermeture, c'est quand même plus pratique le ruban. Et puis voilà. Hop. Donc je vous le remontre. Donc évidemment avec mon nom derrière. La tranche vraiment simple avec le cœur. Et la couverture, pareil, très simple avec juste le chipboard en bois. Voilà, donc j'espère que ce petit album vous a plu. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!